On met Mahomet débordé par les intégristes. Et là, il dit, c'est dur d'être aimé par des cons. Et j'apprends par l'AFP qu'il va y avoir un procès. Pourquoi Charlie est attaqué? Pourquoi pas l'Express? Pourquoi pas François, qui ont publié aussi des caricatures? Il y a des pressions sur nos témoins musulmans, hein, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment raciste, de vraiment injurieux dans ces caricatures? Écoutez, madame, si ça ne vous saute pas aux yeux, je ne peux rien pour vous. Le terme islam musulman égale terroriste, si vous pensez que ça n'est pas raciste, alors moi je ne sais pas ce qu'est le racisme. Évidemment qu'il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des intégristes. Moi je riais pour dire aux musulmans, mais vous faites partie de la démocratie française. Et là on a le cœur qui bat quand même. Bah là voilà, on est dans la fosse au lion et puis faut se battre. On était sur le terrain de comment vivre en société en se respectant les uns les autres. Mahomet avec une bombe, ça ne convient pas. Il y a des libertés qui ne se discutent pas, qui ne se marchandent pas. Si vous vous moquez de la religion, ça vous récupérez. Que pensez-vous que les musulmans ne savent pas rire? Les intégristes ne savent pas rire. La presse a été pour moi le dernier rempart de mes libertés. Les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire, c'est important la liberté d'expression. Hein. Et oui. Il faut commencer à faire tous les dessins qu'on pourra pas faire si on est condamné. Oh la vache, on va avoir un boulot.